Bien le bonjour, messieurs, dames, aujourd'hui, déjà, avant que la vidéo commence, je vous souhaite un joyeux Noël à tous, voilà. Donc là, on vous fait déballer mes cadeaux, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Donc voilà, donc on va commencer par lequel avant en premier. Super emballage. Ouais, c'est assez emballage éco plus. Du coup, on commence par lequel? Celui-là? Ouais. J'ai peur parce que les derniers coups, ils devaient acheter des trucs, voilà quoi. T'as trouvé ça où? Des boosters de catch, donc. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis heureux, ils sont bons. Pour vous demander pourquoi je suis heureux, parce que c'est très dur à trouver maintenant des boosters comme ça. Dans toutes les presses, on a fouillé, ben on trouve pas, ben t'as trouvé ça où? Ah. Donc c'est un nouveau booster, bon le prix est pas cher, juste que c'est introuvable quoi, c'est tout, voilà. Magnifique. Super cadeau déjà celui-là. On va le trouver après la vidéo, je pense. Suite. Après. En tout cas, les emballages magnifiques. Ah Hein. ouais, terrible. Là, c'est terrible. Ah! C'est quoi? Le magazine que je t'ai parlé, magnifique. Mais c'est un code, hein? C'est pas un code, non? C'est quoi? Bah, c'est un jeu. C'est le jeu avec le disque et d'un code aussi inclus dedans. C'est les deux. Alors pourquoi je voulais ce machin-là? Je vous explique en vitesse parce que tout simplement, bah, le prix du jeu et le machin, ça coûte que 5 euros. Alors, bah, je trouve ça beaucoup pour un jeu, quoi, simplement. Voilà. Je Je suis sais pas pas sûr. si je l'ai, je pense pas que je l'ai celui-là. Non, je pense pas que je l'ai. Magnifique. Continue. J'ai peur de ce qui va me sortir en vrai. Oh non. Mais non, mais ça c'était pas obligé, sans déconner, non. Ça c'était un truc à la va-vite. Je le sais parce que ça, c'est moi, j'ai arraché hier ce bordel-là. Je l'ai arraché cette nuit. Donc ça s'appelle un cadeau de dernière minute, messieurs dames. Voilà. Un cadeau de dernière minute. Voilà, bah, c'est super, hein, bon. Pourquoi pas, hein. T'as ce casseur ou pas du coup? Non, j'ai pas trouvé Ah, c'est filmé la moindre hein. bah normal, hein, c'est caméraman. Par contre, les sacs sans déconner. Ah, c'est pour ça alors que tu me disais que t'avais besoin pour les kebabs. Ah bah voilà. Et là, c'est quoi? PS5 Xbox Series X. Merci bien. Surtout, j'ai pas la console, ça fait extrêmement plaisir. Ouais. Donc, bien entendu, le meilleur jeu de tous les temps derrière. Démon de Soul, je l'ai juste derrière, là, je sais pas si on l'a bien. Voilà, mais magnifique. C'est Démon Soul. En plus, c'est les posters en plus. Ah, Cyberpunk. Le jeu de l'année buggé, n'est-ce pas? Jeu de Noël, bah super, c'est super. Bah, ça se bug. Laisse tomber, vas-y, on Ça, suit. celui-là. Sans jeu vidéo légende. Ah. Regarde ce qui est marqué derrière. Métro, non? Rétro. Ah, rétro. Mais c'est pas dire. On va un peu? Non, sans déconner. Sans jeu vidéo de légende. Des années 72 à 2021. 21, bah, ils sont le futur ou quoi les autres? Oui. Ils sont le futur ceux-là. Donc le meilleur jeu de tous les temps en haut, hein, c'est pas, c'est le fameux GTA 5 là et Mario 64. Bon, voilà, ça c'est J'espère dégueu. que tu vas lire au moins. Bah, cette nuit, c'est genre pas. Alors maintenant. Parce que là on tourne en fait, il est minuit 5, non, minuit 6. Et joyeux Noël! Ouais! Ah, c'est mieux, vas-y. Vas-y, celui-là, Voilà. regarde. C'est une pub gratos, AXA. Et hop là. Spider-Man Miles Morales. Le jeu de la PS5. Et c'est marqué quoi derrière? Cyberpunk! Cyberpunk. Ah oui, oui c'est le roman celui-là. Le roman Cyberpunk. Magnifique. Ah, justement, dedans, t'as le livre Cyberpunk. Hein. Ouais. Donc t'as le Cyberpunk dedans, excellent. 10 jeux gratuits, PS5, Xbox Series X. Et 10 jeux gratuits, attention. C'est beau ça, continue. Celui-là. J'attends de voir la fin. Qu'est-ce qu'on rigolait? Je sens la queue arriver à la fin. Absolument. Au secours. Nouveauté 2021. Ah, le livre il est arraché là. Ah Pas grave, ça coûte. bah, et voilà, depuis le temps qu'il est dans son coin. Alors, 5 PS5 à gagner. Voilà. On participe, non, je gagne. Bah, tu peux participer, Ça sert à hein. rien, c'est pas aimé, de toute façon, je pense. Mais non. Les 50 hits de l'année magique. Ouais, t'as un petit village et tout, non, mais les gros classiques, quoi. Mettez pause si vous voulez voir. Le jeu a pas de limite. Surtout pour trouver.
La console, n'est-ce pas? Bon, le gros, là. C'est quoi la fin? Ah, j'ai deviné, c'est quoi le dernier cadeau? Je pense savoir ce que c'est. Ah! Magnifique. Je sais même pas qui est sorti le monétaire. Le fameux Guinness des records. Alors, normalement, il a une catégorie de bug. Une catégorie 100, jeu. 178, je crois. Mais en plus, c'est ça, hein. Attends, bouge pas. Ici, c'est terrible. Hein. Speedrun. Tiens, allez, speedrun, tiens, vas-y. On fait test. 36 minutes. Puis terminer le. At in time, c'est un jeu PC, je connais pas. Voilà, c'est excellent. Death Stranding. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Smash Bros, tiens. Dédicace à ceux qui jouent à Smash Bros du groupe, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait un petit peu Smash Bros dedans. Donc c'est quoi? Un visage que vous verrez pas dans Smash Bros et le James Bond du classique N64. Magnifique. En raison de quoi me durer de licence? Bah oui. Ouais, c'est quoi? Et maintenant, le dernier. C'est rapide, la vache. Bah, c'est pas mal. Et hein. Vous le savez, j'avais deviné. La Pokébox. La Pokémon. La seule qui me manquait quand il y avait Bobert encore. La Pokémon. Faut mettre un pouce bleu pour soutien parce que là, sans la connerie, ça vous, c'est plus rapide. Donc, c'est quoi ce Pokémon là? C'est Eternaros. Voilà. Déjà, j'ai été choqué avec le Bibichut, donc voilà quoi. Bibichut, sans les connaître, Bibichut quoi, sort silence. Silence. Donc là, j'ai envie de l'ouvrir après. Là. Je pense qu'il l'ouvrira après, peut-être pas en vidéo, on verra bien. Et voilà, on ferme ou. T'as quand même une minute. Attends, à 7 minutes 3, attends, tiens, tu montres le mien. Ah oui, je lui ai acheté deux cadeaux tout à l'heure. Attends, bien sûr, après. Très sympathique. Alors, j'ai acheté un petit coffret de The Police, voilà, le groupe Police, pour ceux qui connaissent, des années 80. Je crois que c'est ça, les années 80, je crois. Ouais. Bon. Voilà. Dedans, il y a la même musique de tous les temps, c'est Every Breath You Take. J'ai un super accent, là, avec vous. Donc, dedans, il a combien? Il a 5 CD de mémoire, oui. Non, 6. Ouais, 6 CD, dont un bonus, du coup, donc le 6ème, quoi. Très intéressant, bon rapport qui a été pris. Là, comme un con, j'ai oublié de retirer le prix. Je suis fort, hein. Mettez un pouce bleu pour vous dire que je suis fort. Et là. Et le meilleur, je pense, le Picture Disc de Freddie Mercury, voilà. Donc, dédicace à celui avec qui j'ai fait l'exposé, voilà. Donc voilà. Sur lui d'ailleurs, voilà. Donc c'est magnifique de trouver ça seulement 10 euros et j'ai encore oublié dans mes prix, voilà. Ouais. C'est magnifique. Et puis ça. Ouh la vache, c'est le plaisir, hein. Le Rock'n'Folk. Il me semble que tu l'as déjà en plus celui-là. Non. Ah si, il me semble que tu l'as déjà. Je ne suis pas sûr que tu l'as déjà, pourquoi, mais. Chocolat, c'est 12 euros pour prendre un truc, genre, on prend combien? J'en sais rien. Ce jour, après le deux, on cherche, puis on va le trouver, je trouve raison. Donc, du coup, voilà. Donc, Rock'n'Folk, pourquoi pas seulement 25 euros, n'est-ce pas? Je connais les prix, tu m'en connais rien. Et puis le dernier. Et encore ce vinyle, voilà, c'est Danny Bipoulis. Ah d'ailleurs, mettez un pouce bleu et un commentaire si vous voulez qu'il revienne sur YouTube, parce que là, en ce moment, il se casse à l'air. Ça fait ça depuis 6 mois qu'on a un peu de nouvelles, c'est bizarre. Voilà. Et voilà, c'est fini. Et attends. Ah. Et donc, c'est une histoire. Mais non. C'est une histoire de rock en 2000, en 202 vinyles cultes, voilà. Il est tellement con qu'il a oublié son cadeau. Donc, mettez un pouce bleu pour soutenir aussi. Donc, seulement 35 euros, voilà. Bah, ouvre pour voir les images. Il est où, ce bordel? Alors, là, on tombe directement sur Blondie. Ah, voilà. Voilà. Dès qu'on a utilisé ça en cours, personne ne savait ce que c'est grave. Hein. Ah oui, ça c'est le meilleur, Blondie. Mmh. Voilà, donc Blondie après une autre page pour plaisir, parce que je prends pas en cognier, voilà, c'est Noël. Hein. Je connais pas ce groupe-là. Pourquoi? Roulet, roulet de poing. Ah, Louride. Louride, ah, oui. Ah si, très bon ça. Je connais pas moi. Ah oui. Hein. Une fois je connais pas un groupe, c'est étonnant. Big Star, waouh. Voilà. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ça je connais ça, Pink Floyd mort. Ah oui, c'est un film. Un classique. Ouais. C'est un film, ça mort. Donc voilà. Mettez un pouce bleu pour le soutien, toujours, parce que voilà, avec cette caméra, il nous faut la patience, n'est-ce pas? Voilà. Je suis sûr que tu la cherches, pourquoi? Mais je suis pas sûr. On verra bien.
Ah, c'est pour ça que tu voulais aller à ma librairie pour ce que c'est une bug. C'est commandé. Un peu la peine, vas-y. Ou voir vous faire de 4, vas-y. Un seul. En vidéo. C'est parti. Alors, allons voir ce que j'ai. Ça va être tellement longtemps que je pouvais vous faire comme ça. Donc, NXT United Kingdom Championship. Angel Garza, je connais pas du tout. C'est nouveau, de toute façon, on connaît pas. Mandy Rose, ça je la connais très bien, normal. Mercedes Martinez. Je l'aime pas celle-là, c'est étonnant. Wesley Bake et la meilleure catcheuse, Lita. Voilà. Maintenant, on cherche la carte dédicacée. Parce qu'on peut l'avoir quelques-uns dans les boosters, mais c'est très rare. C'est comme une histoire en Pokémon, c'est pareil. Donc, il me reste quand même combien de minutes là? Et encore, là, on en est à 10:54. Est-ce qu'on a le temps de s'ouvrir celle-là dans la même vidéo? Il reste 8 minutes. Allez, on a le temps de s'ouvrir. C'est parti. Ça, on fout. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je voulais cette Pokébox, c'est la seule qui me manquait dans tous ceux que j'ai ouverts, parce que j'en ai ouvert deux hors caméra. C'était pas terrible le quota 1, tu te rappelles? J'avais eu 0 ultra rare, j'étais dégoûté, un pas. Oui. Là, je pensais être pareil. Alors, faites vos pronostics, voilà. Et donc ceux-là, on verra peut-être dans une vidéo tout à l'heure cette nuit, si j'ai le temps, pourquoi pas s'ouvrir ça en vidéo, pourquoi pas, ça serait vraiment un super truc, voilà. Donc on est parti. Ça sent le blister, c'est terrible. Et j'ai oublié les pochettes. Putain. Pas grave, je change quelques-unes là derrière, c'est pas très grave. Paf. Ah voilà, bah c'est renversant tout ça. Hein. C'était un booster Drew McIntyre, pour ceux qui connaissent. Le catch à 100% comme moi. Donc. Ah bah c'est renversant, hein, voilà. Donc la carte. Voici l'Eternaros, voilà, un super bêta, normal, c'est 9. Donc, ce pochette après. Le code, je le donne ou pas le code? Bon, je te peux, hein. Ouais, voilà. Le code, on le dit jamais, quoi, donc voilà. Les BS, combien de minutes, là, dis-moi? 5. Voilà, ça va être rapide. Donc on a un booster, oh, ça c'est intéressant, ça. Un booster ombre ardente, éclipse cosmique, et 2. Ténèbres embrasées. Maintenant, on va essayer de se choper les refus là-dedans, ça va être terrible, mais bon, voilà. On va commencer par le plus vieux, on finira par le plus récent. Allez hop, on va faire comme ça, je pense. Donc, c'est parti, le ombre ardente. Donc, pour ceux qui se demandent ombre ardente, qu'est-ce qu'il y a dedans intéressant, c'est peut avoir le Draco Rainbow, la fameuse carte qui vaut des fortunes maintenant, malheureusement. Elle vaut 400 balles, je crois, mémoire. Bah, bien, du coup, on voit pas, oui. Donc, allez, Chenipan. Maril, je vois rien. Rhinocorn. Vas-y, dis-le toi, parce que ça va plus vite. Je vois pas, moi. La dépêche. Passe, j'arrive pas à lire. Bacabou. Out. Énergie. Grise. Acier. Reptacel. Ah. Frison. Alicia. Sauf qu'il pourrait reverse et. Il a merde. Oh massacre en rare, voilà. Bon. C'est vraiment, on peut dire, c'est un haut massacre, à me dire. Mais t'as plus peur que cette blague. Et voilà, de la merde. Mais combien de temps là? Encore, ça va. Donc, Eclipse Cosmic. Donc, dans cette série là, j'ai eu une seule ultra rare seulement, une seule. C'est une série que j'ai très très peu complétée, parce que déjà j'en ai jamais eu. J'en ai très rarement eu. Parce que vu que ça coûte cher les boosters maintenant, n'est-ce pas? Sans déconner, t'achètes 3 boosters, c'est un jeu quoi. Donc, décidément, bon, le code là, voilà, je vous le donne aussi. De toute façon, les codes, de toute façon, ça me sert pas à grand chose maintenant. Allez, mettez un pouce bleu. Pour la suite. Rien. Toujours. Magnéti. Ponchio. Cracnois. Forfuré. Ah, ça c'est quoi ça là? Obali. Énergie plante. Pyronil. Anorite. Ortide. Tarambulant, un peu comme une reverse, c'est... Rien. C'est une rare tout court, c'est... Crabominable. C'est... minable. Non, plus, c'est vraiment minable ce booster là. Super jeu de mots. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bon, moi ce qui est cool, c'est que je complète la collection parce que j'ai pas toutes les communes non plus et toutes les rares non plus, donc ça va. Mais disons que je peux avoir une full art quand même. Quel booster ici? À droite. Ma droite? Oui! Bah, t'as ta droite du coup. Oh, l'autre! Ah! C'est la panique, hein! T'as vu ça ou pas? Bon, au moins une reverse dans sa fin. Y'a rien. Je crois avoir vu un truc.
Des fois, j'aime bien me spoiler comme ça, c'est un truc de malade. Vous mettez un pouce bleu, pouce spoil encore. C'est le spoil. Voilà, le spoil. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, je pense pas que ça va être une couleur non plus, il faut pas non, me dire. Non, il n'y en a pas. Donc, tas de merde. Non, pardon, tas de morve. Tic. Quanton. What, what. Paras. Jacier. Diamat. J'aurais vu là. Cloche. Cloche familiale. Gant d'épreuve. Chacripon ever. C'est une full art, messieurs, dames. C'est. N'ose t'en faire full art. Alors, comment vous dire que je l'avais pas? Et en plus, ça m'a un Pokémon de la première génération, si je me trompe pas, ou deuxième, vous m'en avez plus, ça y est. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça, je l'ai pas. C'est, je savais que c'était une full art, tu vois pourquoi, mais vous savez. Mais c'est pas. Dracaufeuille. Non, mais c'est une carte que j'ai pas, donc une flasque c'est toujours pour en prendre, hein, voilà. Donc là je suis content, bonne ouverture là, parce que j'ai quand même une ultra rare, c'est quand même pas mal. J'ai pas de top loader chez ma main. En fait, je vous explique. Le top loader en fait ça sert juste à protéger la carte au maximum. Et là tu te dis, mais ils sont où les top loaders? Bah ils sont juste derrière, j'ai plus le nom levé, voilà. Donc dernier booster, bon là c'est tout bonnet, c'est tout bonnet du coup, hein, je pense. Bon, je pense une petite reverse ce serait pas mal. Enfin, une petite holographie plutôt, une référence. Il n'y en a pas. Tiens, tous les boosters, qu'est-ce que je suis con. Mettez un pouce bleu toujours, pour la belle insulte. J'ai dit que, en fait, j'ai combien de fois mettre un pouce bleu dans la vidéo. Ah, oh, plein. Donc, passe rouge, c'est ton oiseau, n'est-ce pas? Monsieur Mimon, celle-là est moche, la carte-là, c'est terrible. Poussifeu. Galekid. Nijange. Énergie. Psy. Énergie repère, ouais. Brésillon, un oiseau encore. Mesmerilla, ça c'est un vieux aussi. Brindibou, bon, c'est pas terrible, vous avez la réponse là. Et. Rien. Devinons, vas-y. 101 sur 189, donc c'est une rare secours, c'est pas une graphique déjà, donc c'est décevant. Alors c'est quoi le titre? Comment il répand des microbes? Ah! Nesmax, peut-être, non? Ah non, c'est Rotten Merde, pardon. Non, c'est Rotten Mort, voilà. Rotten Merde. J'étais obligé avec cette blague, j'étais obligé. Donc voilà, c'est magnifique. Hein. Bon, pourquoi pas, un Rotten Merde, ça va bien finir. Donc voilà, donc on a quand même une foulard, donc c'est un Simon Pokébox, voilà. C'est un meilleur Pokébox qu'on a eu des trois qu'on a eu, en fait. Et bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Il reste combien de temps là? Ah bah, c'est bientôt fini. Combien de temps à peu près? Ah, tu peux encore en faire un. Ah, il y a un petit booster, alors vas-y. À booster. Donc, je cherche à voir un Undertaker quand même. Un Undertaker pour ceux qui connaissent. Allez, c'est parti. T'es un bâtard. Voilà. T'es un bâtard. Alors, par contre, je sais plus ce que j'en double parce que le classeur il est en haut. Donc voilà, bonne question. C'est vraiment un bordel de monstre. Donc, Mansour. Akam. Inconnu tout cela, n'est-ce pas? Roderick Strong. Inconnu non plus. Candice, Néré, je connais pas non plus. Ah, c'est Candice si je connais, Candice. Grizzloom, vétéran. Pff, inconnu. C'est terrible, ça, c'est un... On ne connaît même pas les catcheurs, quoi. C'est un truc de dingue. Et Murphy, en rare. Ouais, parce que c'est quand même rare, une brillante comme ça, donc ça va. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Encore un booster ou pas? Bah, vite, parce que c'est fini, rien. Combien de temps? Il reste même pas une minute. Ah, et ben, du coup, là, c'est direct, là, dans ma tête. Comme booster Sacha Bain, c'est tout, là. Allez, c'est parti, soyons fous. Du coup, tu m'as pas dit où tu as trouvé ça, hein? Ah, ouais. Je ne dis pas que tu as trouvé ça quand je t'avais dit de trouver le classeur. Ah, ah bah c'est bon, j'ai trouvé. Donc, c'était à... Hein, on ne dit pas, parce que... C'était... À la visite, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà. Donc, Otis, celui-là, je connais. Ouais. Bah, Edge, un gros classique, lui, hein. Qui ne connaît pas Edge, sans déconner. Dusty Road, ah, ça c'est classique, ça serait plaisir. Velvet, j'allais dire Velvet, c'est comme personnage là. Donc Velvet Teen Dream, waouh. Un Natalia, donc Natalia, une catcheuse connue, n'est-ce pas? Et la championnat du. Voilà, normal. Donc voilà, mon année où là, c'est fini, je pense. C'est fini. Terminé. Tu veux le revoir? Allez, à plus pour une prochaine vidéo, bye!